Ah, il est flippant. Les Ciné-Z. Invaders from Mars. Et ça repart. L'invasion vient de Mars, tout simplement en français. Tu vois là, c'est Mars. C'est, on la connaît, la voix de ce gamin là. Une famille américaine, tout ce qu'il y a de plus moyen. C'est l'heure de se coucher, David. Encore 5 minutes. Ah oui, c'était extraordinaire. Allez maman, fais voir ta lune. Papa va te mettre sur orbite. Ah oui, c'est pour ça qu'on va tous se... Autour d'Uranus. Allez, viens. Pas moi. Famille américaine, on a des armes, on peut les utiliser. Ici, c'est propriété privée. Le premier qui rentre, on lui met une bastos. C'est dans la constitution, d'accord? Famille heureuse, génial, vive Reagan. Vive Reagan. Bulldog de Wilson, pourquoi? Ah, il a de la merde dans les oreilles, il a regardé, il a... il se fait notre oreille maintenant, quelle horreur, c'est quoi cette famille? J'oubliais. Ouais. Un peigné 1958. Parfait état. Wow. Il lui a montré son peigné. Il a sorti son peigné. Il a un petit peigné. Je le mets dans ta poche. Voilà, ne le mets pas dans ta bouche. Allez, couche-toi tout de suite. Oh, allez, allez. L'invasion. L'invasion a commencé. Il rêve parti. Oh! Une boule de pétanque de l'espace. Ok, fada. Et lui, fada de l'espace. Et pourquoi les aliens n'auraient pas un accent? Il joue bien, déjà il joue bien. Papa il va pas du tout m'énerver. Elle est rousse, il est brun, il est blond. Il y a rien à voir, c'est pas leur fils. Ta gueule. Quelle bonne idée de lui avoir offert un télescope. J'avais dit qu'une poupée suédoise aurait fait City Hall était le gonfleux, ça aurait été bien pour son âge, mais bon, t'as pas voulu. Sûrement un météorite. Non, tu as sûrement rêvé. Je sais ce que c'est qu'une étoile filante. C'était autre chose. Un ovni et pas un... Je vous en supplie, dans le chat, dites-moi de qui il a la voix, cet enfant. Parce que tellement d'enfants connus, mais j'arrive pas à savoir qui. Arnold et Willy. Arnold, de Arnold et Willy. Ouais. Ok. Il y avait Ricky ou la belle vie. Ricky ou la belle vie, ouais. Toi, Esteban, le Citizen. Allez, hop, jette par la fenêtre. Allez, hop, on en prend un autre. Voilà. Esteban. Et on en reparlera demain matin. T'imagines, on voit une grosse trace de pneus dans le fessier du père. Qu'est-ce que tu fais? Il s'est sorti une bière du frigo. Ah, oui, je suis un américain, qu'est-ce qu'il y a? Non, ne changeons pas. J'ai mon camtar qui attend devant. Oh. Tu n'es pas encore habillé? Tu veux du café? Comportement étrange. Regarde, il ressemble tellement... Il ressemble mieux à son père, ni à sa mère, ni à sa grand-mère, cet enfant-là. Certain. C'est un petit Allemand. Viens ici, Hans. Tu n'es pas mon fils. Et je ne suis pas ton père. Petit blondinet. On est avec Claude François qui a trop bouffé. C'est petit Claude François qui a pris du rap. Oh, il a la marque. Qu'est-ce qui est arrivé à ton cou? Rien. 1, 2, 3, 4, 5. Merci. Je vous ferai la même chose. 1, 2, 3, 4, 5. Merci. Yves, je te confie la surveillance de la classe tandis que je mène ce pithécanthrope à l'infirmerie. J'espère qu'il aura droit à une piqûre. J'espère qu'on va l'euthanasier. Ce petit chleu. Que ce sale gamin. Que ce sale fils de pute. Je vais m'occuper de lui, mademoiselle McClatch. McClatch. C'est arabe. C'est marocain. Tu ne vas pas en mourir. Laisse-moi sucer la plaie. Oh. Je mets un peu d'ambiance. Je rajoute des effets spéciaux sonores là où il n'y en a pas. Moi, ce qui me tue, c'est pas la gerbe de princesse, c'est vraiment le... Effectivement que ça il s'apprête à parler. R2 s'est allumé. R2. Tic, donc il est 20h, ils attendent que le mari revienne pour manger. Hein. Ouais. Parce qu'il a faim. Oui, bonjour, ici le docteur Martin. Bien, oui.
Putain, j'ai complètement... Là, j'ai zappé complet. J'ai tellement de boutons, de trucs à gérer que je zappe le Dr. Martin alors que c'est quand même... C'est la mascotte, hein, les amis. Le Ciné-Z, c'est le Dr. Martin. Bonsoir. Tu veux jouer, bonsoir. Hein. Ici, Sergent Bandero. Que puis-je faire pour vous, docteur? Le policier moustachu. Oui. C'est celui qui jouait le petit garçon dans le premier film en 1953. Ah, mais maintenant que tu le dis, je reconnais pas du tout sa gueule. Peut-être derrière la colline. Non, l'avion. Tellement pas. S'il y avait eu un avion par là, on l'aurait su. Ah, le doublage. S'il y avait eu un avion par là, on l'aurait su. C'est dingue. Oh, Georges, tu m'as fait une de ces peurs, non mais ça va pas. J'étais là. Ils sont dans la forêt, hein. Je te présente Ed. Il se faisait sucer par Ed. 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 Je te présente ma femme. Bonjour, je suis Ed. Enchanté, Ed. Moi de même. Virgule. Vous allez bien? Comment ils parlent, les extraterrestres? Ils savent parler, mais au ralenti. J'ai alerté la police, tu sais. Mon vieux, il faut que je m'en aille. Obligé de prendre Alice et Isa. Oh, dis donc. Ah, ils ont... Ah, putain, ouais. Ils ont pris les mêmes cours d'acteur que ça va savoir. Ah ouais. Ambiance étrange et merveilleuse. Je vois que vous êtes là. Votre fils a beaucoup d'imagination. Virgule. Mais c'est pas possible. Alors eux, ils sont crédibles, on dirait des vrais flics. Texte 2, voice, oui. Daté de Windows 95. Au plaisir. Ici Valek. Fils d'Hippy. Norage de ton quittage. Qu'est-ce que c'était drôle, Valek, à l'époque, putain. Ça me faisait ça me tuait de rire. C'est très très joli. Wow. Derrière la colline. Mais il y a quoi derrière la colline? Il se passe un truc. Après que j'ai... C'est la colline du crack, en fait. Après que j'ai la vaisselle. Oh, merde. Oh, je crois qu'il s'est chié dessus, le petit. Il est vachement constipé, ouais. Il a une tête à caca de ouf. Viens derrière la colline, David. Je viens juste prendre tes pièces. Je prends tes petits pennies. J'aime les pénis. Ne pas sampler ce son, merci. Je ne dormais pas. Il a pris mon pénis. Oh, mais bien sûr, il l'emmène à minuit, la rame de la colline. En même temps, il l'amène derrière la colline pour lui sucer le cou, donc... Sucer le cou, c'est sucer le cul en brésilien, c'est ça? Si, c'est nul, bah, je suis au Portugal. Sucer le cou. Ah, et on te sauce le cou. Ah, elle a un truc derrière le cou, justement. Qu'est-ce qu'il est moche, mais qu'est-ce qu'il est moche. T'es bientôt à 200 followers, Miko, sur Kik. Ah ouais, putain, c'est cool, ça. 193 actuellement. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à follow, les amis. Tu n'as pas faim, David? Tu ne veux pas du bacon totalement brûlé? Non, je suis musulman. Je ne mange pas de bacon. Malin dans son assiette. Toi, petit blondinet, tu es musulman. C'est drôlement joli, par là. Oui, allons voir la colline. On va s'amuser comme des petits fous. Et on a l'impression qu'on a mis le film à deux à l'heure. Vraiment, on dirait qu'on a mis en 0.5 le film. Tout va bien, madame. Même lui, sa façon de manger. Le bacon totalement grillé. Regarde comment elle le tient, elle le lâche plus. Maman, le bus est là, lâche-moi. On est alien, mais on peut baiser. Attends. D'accord. Je vais aux toilettes le premier. Oh, il est déjà en prison, le petit David. Tous les gars de la classe, ils disent que t'es pas net. Ouais, t'es pas net, Jean-Baptiste. Ouais, si, je suis très net. Et un boule de feu, mon chien. Le rendez-vous est à minuit. Aucun problème. J'y serai, virgule. A été délégué. Qu'est-ce qu'il est moche, t'enfant? On en était à là. Qu'est-ce qu'il est moche, t'enfant? J'ai l'impression que c'est une récurrence quand même, les enfants moches, hein, au cinéma. T'as déjà vu un enfant beau au cinéma? Bah, le petit Elliot qui jouait dans E.T. avait une bonne tête. Un très bon film. Très fun, très fun, très sympa. Oh la saloperie de... Oh la putain, dégueulasse, ça me dégoûte ça. Je suis mort en gerbe.
En fait, les aliens sont français avec leur cuisse de grenouille. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, j'ai failli aller manger bébé Grogu. Allez hop, pas de saison 4. Voilà ce que j'en fais de ton Mandalorian de merde, je le bouffe. Ne me fais pas courir comme ça, David. Comment il court, David? David, qu'est-ce qui se passe? Cet enfant me rend folle. Mademoiselle, enfin, voyons, qu'est-ce qui se passe? J'ai vraiment failli poser ma petite galette, là. Je reviens prendre cet enfant dans 5 minutes. Je reviendrai. 5 minutes. 5 sur toi, à ma fille. Tout va bien, David, sois tranquille. Tranquille? Mais vous ne comprenez pas. Oh, le petit adulte. Oh, le petit... Oh, tranquille. Non, c'est pas des caisses. Mais pas du tout, il joue tellement mal. Tout ce que tu me diras restera entre nous. Je ne suis pas le fils de mes parents. Je suis allemand. D'accord, mais je veux d'abord voir votre nuque. Pardon? Ça, c'est sexy, je trouve, le cou d'une femme comme ça. Très sexy, j'adore ça. Très bien. Maintenant, l'escalope. Le petit qu'en profite. Le petit qu'en profite. D'accord, mais faites voir votre anus. C'est encore plus quand tu sais que cette prise, c'est sa mère dans la vie. Arrête, c'est la mère du merde. Toujours, c'est sa mère. C'est bon, ça reste en famille. Tes parents ont été contaminés par des créatures, tu découvres ensuite que d'autres gens le sont. Mais il a fait d'autres choses, le gamin, après? La drogue. Il a vendu à Pierre Balmain. Il avait capturé des grenouilles près des étangs de Copper Hill. The Copper Hill, il aime bien dire ce mot, Copper Hill. Je te fous un doigt, et tu le dis à personne. J'aime faire du doublage de merde improvisé, c'est ma passion. Panique. Oh, elle s'est faite sucer le cul par les aliens. Oui. Regarde, elle a une tête flippante, J'ai un bouton sur ma nuque. Comme par hasard. Laissez-moi regarder de près. Ne me touchez pas. J'appelle la police. Reprendre. Je vote républicain. J'ai le droit d'armes. Si vous ne me le rendez pas. Le deuxième amendement. On se fait un ciseau. J'assure que vous aurez des ennuis. Elle est menaçante, hein. Ah ouais, d'accord, ouais, d'accord. T'as vu, c'est l'invasion, là. Là, l'invasion, elle vient de Mars, hein. Où est David? Dans ton cul. Mais il a vraiment une drôle de façon de courir, cet enfant, hein. On lui a pas appris à courir. Les gars, il a un jeu de déplacement. Il sait même pas marcher. Non, évidemment. Il sait pas marcher, courir, c'est pas se mouvoir. Ah, la petite aile de chat. Oh là là, je joue bien le... Oh, Claude François. Ah, Claude François, quoi, qui a pris du rab à la cantoche. Il a mangé deux fois. Terminator. Attends, la seule planque qu'il trouve, c'est le camion de la meuf. Je suis vraiment désolé, monsieur Gardner. J'ai dû quitter ma salle, disons, environ... Zoom compensé, mais totalement inutile pour cette séquence. Elle va loin pour aller poser une pêche. Alors qu'il y avait des toilettes au lycée. Elle veut vraiment être tranquille, tu sais, elle a pas confiance. Moi, je ne peux pas chier ailleurs que chez moi ou dans la forêt. Oh non. Il y a des chances, hein. Non. Cette grotte est dégueulasse. Radio grotte. Bah là, c'est le trou de balle de... C'est ça. C'est quelqu'un de très très grand. Bonsoir, bienvenue. Ah oui. Première à droite, Radio grotte. Bienvenue sur Radio Grotte, ravi de vous retrouver les amis. Très sérieusité d'ailleurs. Hein, ta gueule. Un long tunnel. S'il m'entend pas quand j'ai cet effet spécial. Je peux dire ce que je veux sur lui, il m'entend pas. N'allez surtout pas vous abonner à sa chaîne. Surtout pas. Ah, il est vraiment dans Radio Grotte là. Ah, il m'entend pas alors. Comment ça, n'allez pas sur sa chaîne? J'étais sûr, c'était un test. Ça, c'est la coloscopie de Jeff. Mais de l'intérieur. Ouverture. Eh, faut la construire la grotte quand même, hein. Regarde, elle a l'air profonde. Tu vois, il y a un peu de pognon quand même. Il y a des décors. C'est la grotte profonde. Regardez. La grotte se referme. Ce n'est pas une grotte. Me chauffe pas, hein. Ce sol est très bizarre. Ça n'a pas l'air d'être de la roche. Oh, t'as pas chauffé? Tiens, rien. C'est les Moinocs. Et on prend 6 lacs jusqu'à la fin du film. Fais le tour, voir s'il n'y en a pas d'autres. Ça s'accroche et bouffe les câbles. Ce film a rapporté 4,9 millions au box-office et 81% des gens ont aimé ce film. Oui, mais tu sais, c'est à une époque où on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Lalou, lalou, lalou. Mot de passe de la grotte. Lalou, lalou. Ah
Ah ouais, là on est sur du Lalou. Hein. Oh, mais... des aliens nazis. Oh putain. Le furon. Oh, l'anus, quoi, putain. Oh. Il y a le Schrader dans... Je suis l'hémorroïde 6. Chef suprême des hémorroïdes. Oh, la gueule. Oh, il est flippant. Oh. Ah, c'est un Lalou. Ok, ça, ça rentre en machine. David Garner. Oh, trop bien, F, regarde ça. Oh, ils se sont botexés les lèvres, les extraterrestres. À nous. Tu seras à nous. Comment ça a pu me faire flipper, mec? Comment ce film a pu me faire flipper quand j'étais petit, quoi? C'est pas possible. A-O-I-O-U. La tête me fait penser plus à Discord, Jace et les conquérants de la lumière. Ah ouais, un peu, ouais. Ah oui. Ouais, mais comme si quelqu'un s'était assis sur la tête de Discord. Il l'avait aplati. Tout aplati. Putain, mais c'est énorme. A-E-I-O-U. Lalou. Il y avait des monstres, des gros, avec des dents comme j'ai jamais vu. Et les gros monstres, c'est du vrai bricolage. C'était deux personnes dos à dos. Non. Ils ont à l'intérieur d'un gros costume. Il y avait quelqu'un de taille normale, une personne de petite taille qui était accrochée dos à dos. Oh, il y en a un qui marchait et l'autre qui manipulait le bras et les visages. Oh, le nez en sac à dos, quoi. Ah, sac à dos. David, ce garçon va me rendre dingue. On m'appelle Tonton Tams. Ça y est plus. Ils ont rebouché le trou de balle. A-E-I-O-U, c'est que des voyelles. Elles sont où les consonnes? Il y a pas, elle perd, elle a perdu à déchiffrer les lettres. Oh. Combien de lettres? 5 lettres, pas mieux. A-E-I-O-U. Donc Stan Winston bossait sur ce film et Alien en même temps. Bah oui, sûrement, quand t'as une boîte, tu bosses pour plusieurs. Mais je pense que lui, en tant que personnellement parlant, il devait être plus présent sur le film Alien que celui-ci. Il a dû déléguer celui-là, tu sais. Oui. Ouais. Alors, Lena, vous allez sur le film de merde. Ah oh là là, j'ai envie de le péter, ça y est. C'est une Arène Tueuse 2, je pense, non? Mais comment il court après? La prof psychopathe! Tu n'as pas fait tes devoirs! Oh, les zig, je déteste ce son de synthé, là. Ah, il fait une petite quenelle, par contre. Oui, ça va. On l'a vu. Oh là, ça joue bien. Oh putain. On est en mode A-E-I-O-U style, les amis. C'est la police. Venez. Tout va bien. Oh, les enfoirés, ils dégagent direct. Mais bien sûr. On tire et on pose des questions après. Lalou, A-E-I-O-U. Oh là là, d'accord, ils sont en train de créer une discothèque. C'était une surprise. J'espère que vous allez bien, bienvenue au Disco Club. Je rappelle que la voiture qui est derrière moi doit bouger parce que sinon on va se faire détruire. Allez, on bouge son popotin, petit Claude François. T'aurais pas dû manger du rabat à la cantoche, tu sais plus courir. Disco Alien. Disco Alien. Mon général. Ouais. Le lieutenant Marshall. À la faute, attends, bouge pas. Oui. Oui, bonjour, ici le docteur Martin. Quoi? Oui, bonjour, ici le docteur Martin. Le fils de Gardner? Oui, bonjour, ici le docteur Martin. Le fils de pute de Gardner? Mais là, toute la base, elle est... Elle est extraterrisée là. Ils sont tous fait nuquer. On s'est fait tous sucer le cou. On s'est fait tous sucer le cou. Ce qui s'est passé, c'est que... Non. Non. Je vais tout révéler. Je veux d'abord regarder votre cou. Quoi? Je veux d'abord regarder vos couilles. Je vous en prie, général, il est très sérieux. Bande de petits salopards. Eh hey, putain. Je suis raccord, les gars, je suis raccord. Tiens, une valise vide. C'est ton point. C'est ton point. C'est ton point mort. Tu sais quatre. C'est des extraterrestres terroristes.
Excusez-moi. Oui. La NASA confirme avoir détecté quelque chose. Ouais. Un AUFO. AUFO. Une météorite. Le radar, par contre, n'a rien décelé. Pas la moindre trace sur les écrans. Et dans mon slip, il y a des traces. Si ce vaisseau spatial absorbe l'énergie, on ne peut rien voir sur le radar, parce qu'il n'y a pas d'écho, exact? Oh là 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 là, petit fils de merde, quoi. Le mec, il sèche les cours, et il apprend au général ce que... Vous devez recalibrer les satellites. Oh, Karateka Man. Oh, ça, c'est de la stompe, putain, génial. Arrêtez ces deux hommes. Ouais. Ouais, tout le monde qui arrive. MP, Marine Le Pen. La police de Marine Le Pen. Vous allez me dire... Ils sont blancs, relâchez-les. Passe ou je vous flingue sur place. Ils vont s'autonomiser. Ah, ils dansent le Smurf, ils dansent le Smurf. Génial. Break dance. N'approchez pas. The break dance. Everybody break the break dance. Allez, ils vont faire la chaîne du Smurf. À l'ancienne, hip-hop. H-I-P. A-E-I-O-U. Ils sont morts. Eh oui, bien sûr. Tom. Viens à la maison. C'est le syndrome Claude François. Ils ont une clé USB dans le cou. Et je veux voir tout de suite l'infirmière et le gamin, d'accord? Prévenez tous les postes. Ok. Ça y est, maintenant, il croit le gamin. David Garner, viens bosser avec nous à la NASA. J'ai 8 ans. J'ai contrôle demain. Docteur, je crois savoir que la mission Viking n'a pas trouvé de traces de vie. Oh, putain, c'est pas possible. Il n'y avait même pas Internet, les amis. Mais qu'est-ce qui s'intéresse à la mission Viking? Sylvie, il y a, elle veut peut-être qu'on ne la découvre pas. Mais Sylvie. Alors, c'est... Elle est où? C'est qui Sylvie? Et cette Sylvie? Oh, il jouait bien Jospin derrière. Oh là tu l'as vu? Oh, j'ai peur, il reste 10 042. Ma maquette. C'est une maquette, ça, non? Oh, maquette, elle est belle, maquette. Elle est cassée, maquette. J'aime pas ces longues phases d'armée, là, où tu sens que ils ont plein de figurants. C'est la grande scène, genre, d'action. On veut l'enfant. On veut que l'enfant... Ils ont pris des vrais militaires. Ah bah oui, ils avaient rien d'autre à foutre. On veut que l'enfant meure. On veut que le vrai enfant meure, là. Merde! Amenez les explosifs! On fait tout péter! Ah, mais ça, c'est trop mal fait. Ah, mais attends, mais les gars, c'est le mec avec le nain dans le dos. C'est ça. J'imagine que le gars, attends, il voyait même pas où est-ce qu'il allait, quoi. Regardez ces créatures. Elles sont magnifiques. On ne sait pas pourquoi elles sont là. Il va se faire bouffer, lui, Gérard Jugnot. Ça va, les gars, tranquille. Ça va. Vous voulez fumer un spliff? Tiens, coton-tige pour tes oreilles, tu vas voir. Tu pourras faire comme le père de David, te nettoyer les oreilles. Ça pue. Ces êtres ont une intelligence humaine. Et... Allez, merci, voilà. Bonsoir. Allez, hop. Bien fait pour lui. Ne tirez pas, on a un nain sur le dos. Il nous a lâché, le gamin, il va plus nous faire chier. Ça y est, on met le paquet, amenez les chats. Ça y est, on peut rentrer au bercail. On a perdu le gamin. On rentre à la maison. Ça fait très penser à Dune, hein, au serpent de sable dans Dune. Oh, l'opération militaire, quoi, deux cordes. Tirez. Oh. Waouh, attends, on est dans la disco club, la discothèque. Covid, 7e dose. Ça se fait dans la nuque direct cette fois-ci. Elle joue, c'est pas. Ah, ça va mieux. Par contre, j'ai le cul qui pique, je ne sais pas pourquoi. Ça y est, tout de suite, il est en mode... Oh. Ah, s'il fait ça, il m'a fait rire. Est-ce que je peux te parler? Il le tutoie. Fais pas de mal à Linda. Est-ce... Je t'offrirai des clopes. Ce que tu veux faire, c'est pas possible. C'est pas bien. Pas... Avec tes deux bites, là. Bien. Et t'as aucune chance de t'en sortir. On croit que c'est des braves, c'est ces tubs. Laisse rentrer mes parents à la maison. Allez, s'il te plaît. Fois... Intelligence suprême. Je crois que c'est la première fois que j'ai vu que les aliens gagnent. Voilà. David Gardner. Il
il parle. Tu nous appartiendras. Je vais te régler ton compte. David Gardner, ceci est ma tub. Ah, oh, un coup de Penny. Ah, oh, la laine fétide. Je t'aurai, gros cœur, je t'aurai. Oh. Ouais, je disais, les yeux de la bestiole ressemblent aux yeux de Quato. Reculez. Enculé toi-même, eh oh, je suis ton supérieur, tu parles pas comme ça. J'ai dit reculer, chef. Général. Ah oh merde, il s'est fait extraterriser. Oh mon dieu, non. Pas non, toi, non, pas Rinaldi. Vous. Non. Rinaldi. Enculé, mon général. Enculé, mon général. Ah, oh, il va lui taper sur les doigts avec la règle. Ah, mais Garner, c'est moi, ton nouveau prof. Ah. Oh, le rayon laser de l'œil tout pourri, c'est génial pour le barbuck, chef. Ta gueule, putain, mais il a la voix qui perce en plus. Zig, pas mal, hein. Franchement, pour l'époque, pas mal. S'il y a Yann Villiers soundtrack dans le coin. Oh. Il a double pupille, tu crois qu'il a 4 paires de lunettes? Oh. Tout ce qu'il sait dire, l'intelligence suprême. Oh. Allez, viens, à la maison, tous des Claude François. Je suis fan des effets les effets d'éclair des années 80. Oh, il s'est levé. Oh, il se lève. Il repart dans son anus. Ça, c'est vraiment un trou de balle. Hein. Oh. Et pendant ce temps-là, les autres, ils dansent. Disco dance, disco, disco dance. Allez, on fait tout péter, on est des Américains. C'est un solitaire, le truc. Ouh, ça sent le départ du vaisseau, ça. Oh. Il est un peu avare en conversation, cette intelligence suprême. Oh, il sait dire que ça. Allez, boule à facette. Ouais, Indiana Jones remake. Il se surjoue à mort. Capitaine. Regarde, oh là là. Oh putain, il va trouver la solution, quoi. Il va mettre les pénis. Ouais. Ouais, mets ton pénis dedans, tu vas voir. Ça pourrait servir ce bidule si on savait le faire marcher avant l'explosion. Moi je sais. Mon général. Oh, le réverger, c'est quoi, le cuivre? Un pénis pourrait faire l'affaire. Je pense que j'en ai un pénis. Alors, qui va sortir un pénis de sa poche? Qui va sortir un pénis? Ils vont se sentir dans l'orbite, les mecs. Le pénis de mon père. 58 dés, parfait état. Ouais. Général. Maintenant, à toi de jouer. Hey, c'est lui qui le tient, genre. Viens avec nous. Viens voir la colline du crack. Dépêche-toi. Viens voter Zemmour. Oui. Happy. Happy. Arrête-toi, non. Happy. Non, papa, Linda, Happy. Maman. Non. Oh, la boîte de nuit. La discothèque est en train de sortir du sol. Ils ont pété en même temps. Oh bon, on va beaucoup mieux, on s'excuse. Ça va, David? Oh, ma chérie. David. 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 Maman. C'était un cauchemar. Non, c'est une bonne. C'était un rêve. Il nous a cassé les couilles pendant 1h38 pour rien. Calme-toi. Tu es dans ton lit, tu as fait un cauchemar. Tu es dans ton lit, tu as fait un cauchemar. Il disait que j'étais pas votre enfant parce que je suis blond comme un Allemand et que j'ai pris du rhum à l'encontoche. Ils ont fait des vannes pendant tout le film. Oui, laisse-moi regarder. Allez, fais voir tes couilles. Ça va. Alors, et moi, tu m'examines pas? Oui, l'escalope, je vois bien. C'est ça, alors t'as pas voulu. Ils ont été méchants, lui là-bas, effectivement, il a fait des blagues pas drôles. Ta collection de pénis est toujours là. Ton petit pénis toujours là. Je pense que ton rêve est plus des choses qui sont arrivées aujourd'hui, dans le fond. Qu'est-ce que j'ai eu peur? Un homme ne doit jamais avoir peur, David Gardner. Pourquoi elle fait l'asiatique? Tu veux que je laisse la porte entre ouverte? Non, ferme-la. Non, pas la porte, toi, ferme-la. Hop, hop. Attention, fin ouverte. Oh! Bleu. Oh, ça recommence. Ah, c'est reparti. Regarde cette tête, comment il joue bien. Je suis... A-E-I-O-U, man. Et là, je vous l'ai pas dit, mais en fait, je vous l'ai remis au début. On est raccord, on recommence le film au début. Ah non, hein. Avec les mêmes vannes ou pas? Les mêmes, on essaie de refaire exactement les mêmes. Maman. Putain, mais tu l'as vraiment remis au début, en fait.
It's de la Vader's from Mars. Bon, allez, allez, vire-moi cette merde là. Allez hop, merci David Gardner, ça va te faire en cul.